On vient du centre de la France, exactement d'Auvergne. Et avec Fon, le répertoire qu'on a choisi est particulièrement centré sur un tout petit département qui s'appelle le Cantal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus beau pays du monde. Ouais, si, il y en a au moins un. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Pas trop souvent non plus, parce qu'après on est trop nombreux, ça ne va pas le faire. Mais voilà, donc dans le Cantal, et on parlait des femmes juste avant. Et justement, il y a une femme dans le Cantal qui nous a beaucoup marqué. Une dame qui s'appelait Louise Reicher, qui était une chanteuse du sud du Cantal. Une dame qui avait plusieurs particularités, en plus d'être chanteuse, puisqu'elle avait eu le permis de chasse. Il faut voir ça au milieu des années au milieu du XXe siècle, en fait. Donc une femme qui a le permis de chasse, ce n'est pas courant. Elle avait le permis de conduire. C'était la deuxième femme dans le département à l'avoir. Elle a eu 4 maris. C'est à mettre en relation avec la première proposition. Voilà. Elle a été interdite de séjour dans le Cantal pour avoir détourné des fonds de pension des veuves de guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Une dame très libre, en fait, très belle, qui chantait plein de très belles chansons, avec un caractère plutôt grivois assez régulièrement. C'était très grivois, en fait, les chansons. Et elle avait quelques chansons vraiment très très belles, et vraiment des très belles complaintes, et on va vous en faire une. Une chanson qui serait attribuée à la commune, à la période historique de la commune de Saint-Étienne, et qui parlerait de l'exil, de l'amour qui s'en va. Cœur infidèle, oublie
Tu pars à Dieu. Ah.